Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'un film que j'ai vu et qu'on a regardé en deux temps. Je vous explique en vitesse, en deux temps, pourquoi. J'ai regardé le premier volume avec le slasher à la maison ici. Et puis après, de par mon travail, c'était justement des films qui se prêtaient à regarder avec des enfants. Et comme on sait aussi, en France, on est un peu champion de la grève. Donc, on a dû occuper des enfants car il n'y avait pas d'instituteurs. Donc, j'ai pu tester en live la réaction des enfants. Je vous parle du film, il s'agit du coffret. Et je remercie Youssef de Cartel, Fox Pathé Europa, et il nous a envoyé ce coffret qui est là. Il s'agit de Boule et Bill. Tout le monde connaît la fameuse BD de Robin. Boule et Bill qui sort chez Dupuis hein, régulièrement. Voilà, et que dire sur ce coffret, cette série? Il y a une réussite et une autre pas. Je m'explique. Je vais pas me gêner de vous dire que je me suis un peu ennuyé sur le premier volume. Je trouvais ça un peu très 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 gnangnan. Par contre, le deuxième, extra. Je vais vous lire les synopsis du 1 d'abord. On regardera un extrait. Et puis après, je vous parle un petit peu des détails du 1. Et puis, parler du 2. Alors, le 1, Boule et Bill, il est sorti en 2013, le 1, hein, c'est parce qu'ils ont groupé, le coffret parce qu'il y a le 2 qui est arrivé incessamment sous peu. Tout commence à la SPA, un jeune cocker se morfond dans sa cage, il ne trouve pas le maître de ses rêves. Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui, qui ne se ressemble, s'assemble, comme on dit, hein. C'est le coup de foudre pour Boule et Bill. C'est le début d'une grande amitié. Pour les parents, c'est le début des ennuis. Et c'est parti pour une grande aventure en famille. Et ben nous, ce qu'on va faire, on va partir à la grande aventure. Direction, let's go, SPA. L'expression avoir une vie de chien, vous connaissez? Eh ben moi j'avais la pire qui soit. Et puis. C'est celui-là que j'ai vu! On a la même couleur de poil. J'ai dit pas de chien, et quand je dis non, c'est non. Tu vas l'appeler Bill? Ouais, comme Bill l'éclair. Bill l'éclair. Eh, hey, c'est mon nom là, orange là. Qu'est-ce que ça sent? C'est roulé dans une crotte. C'est bizarre leur manière de faire des promenades. Désolé, monsieur le routier, mon mari promène son chien. Par ici, la boule qui honte. Allez, dites-moi, pourquoi tu l'as lâché? Vous avez dit qu'il fallait pas prendre de chien. En même temps, c'est plutôt un truc de chat de faire ça. Vous avez dit que vous ne m'auriez pas vivant. Ok, on est parti sur de mauvaises bases. Ben, je vais me mettre dans la poche. Non, bouchez, Bill, ça m'amuse pas. Oh, ça marche, il s'éclate. Ça s'est pas passé du tout comme prévu. J'aurais peut-être dû le laisser gagner. On va déménager? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On sera pas séparés, Bill et moi. Mais non, bien sûr que non. Ah voilà, ça, c'est de la promenade. Mais où est-ce que tu nous as emmenés? Je vous présente Caroline. C'est moi. J'ai une vie géniale. Je suis gardeuse de chiens. Ah, elle m'appelle. Ah, toi, ça va, hein? Ouais, non, elle m'appelle pas. Tu travailles, je travaille. Je suis un homme comme les autres. Vous allez pas divorcer? Oh, arrête avec ça. Écoute, pourquoi on divorcerait? Tu vois bien qu'on s'aime, ta mère et moi. Il y en a marre. Faut faire quelque chose. Ils ont vraiment un problème avec les promenades dans cette famille, madame. Oh, c'est ton chien, il a l'air gentil. Alors, qu'est-ce que vous manigancez? Il a pied. Waouh. T'es sûr, c'est pas comme ça qu'on tient un chien? Eh, hey, c'est moi, ça. Tu m'as drôlement bien réussi. J'ai la taille aussi fine? Non. Aïe. Ah là, c'est la gaffe. Si. Ouais, c'est encore mon nom, là! Votre fils et votre chien m'ont agressé dans l'escalier. Ah non, ça, on n'a pas de chien, je leur ai dit pas de chien à la maison. Et j'ai dû céder. Après bande-annonce. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai pas un coquin anglais, hein. J'ai tout simplement un Jack Russell, bien Jack Russelli. Voilà, donc que dire, vous avez vu la bande-annonce du 1, hein? Et ben, elle vient de me roter à la tronche en plus. Boule et Bill, ben, c'est une production France, Belgique, Luxembourg. Pourquoi Belgique? Tout simplement parce que Roba est un écrivain, un dessinateur, hein, belge,
Et moi, ma chronique que je vais vous donner, c'est Avoir en famille. C'est un film à voir en famille pour les enfants, des petits et grands enfants et les fans de BD qui peuvent, les autres peuvent s'abstenir parce qu'ils vont rien comprendre. Mais moi qui suis très 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 fan de BD, j'ai pas trouvé mon compte. J'ai pas trouvé mon compte sur le boulet Bill qui était là. Alors, faut savoir que la piste audio, hein, la piste audio, tu sais que c'est la piste audio, ouais. La piste audio est français Dolby Digital 5.1, l'audio description français, des sous-titres et des sourds pour malentendants et du français. Moi, la note que je vais donner, je ne me cache pas de vous le dire, j'ai donné un 7. Je ne donnerai pas plus pour celui-là. La réalisation est de Alexandre Charlot. Oui, ça va, ouais, ok. Franck Magnier, l'histoire originale de Roba, d'après ses personnages de la BD, bien entendu. Scénario Alexandre Charlot et Franck Magnier. Ouais. Avec un Franck Dubosc, Marina Foy, Charles Combé, Nicolas Vaude, Lionel Abelski. Les voix en français, donc, hein, c'est pour tout simplement Caroline et Bill, fatalement. Vous avez un chien, c'est pas parler. Tu sais parler, toi? Tu sais parler? Donc, de Manu Payet et de Sarah Giraudeau. Musique de Alexandre Azaria. La musique, ben, je pourrais pas dire Alexandre Azaria pour tout, parce que on a quand même des tubes de My Brandt, des tubes de François Maurice, donc Monaco 28 degrés à l'ombre. Moi, ce que j'aime bien, franchement, c'est le thème final du générique. J'adore cette chanson. La durée du film est de 1h22. C'est largement suffisant. Éditeur Studio Canal pour le premier volume. Distribué par Universal Pictures. Sortie vidéo. Le sortie est le 27 juin 2013. Date sortie en salle le 27 février 2013. Les contenus, ben, Blu-ray du film, le DVD du film, copie digitale et deux magnettes offertes. Excusez-moi. Ce qui ne figure pas dans le coffret. Bonus vidéo making of de 27 minutes. Atelier de dressage de chien. C'est toujours... Là, j'en retire toujours, franchement... une affection très particulière, car il faut le faire, de faire dresser ces petites bêtes quand même, et de les faire obéir. Et la bande annonce. Ceci, c'était pour le premier. Alors, donc, je vous rappelle, hein, Boulet Bill, Schling, le voici, le voilà. Donc, je vais retourner, parce que là... Par contre, les couleurs sont très réussies. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Alors, le Boulet Bill 2, eh ben, pour moi, c'est une réussite. Là, le Boulet Bill 2, je vous dis déjà ma note, elle augmente de 1 point. Voilà, à mon avis, elle en a marre, elle va se casser. C'est un 8 sur 10. Hein. Tu es d'accord pour la 8 sur 10? Ouais. Si elle est d'accord, Jenna, moi, je suis d'accord. Alors, ben, Boulet Bill 2, hein, ça, ouais, ouais, la vie est belle, ouais. Boulet Bill 2, c'est sorti en 2017. Allez, hop, elle en a marre. Boulet Bill 2, en 2017, France, Belgique. Pourquoi Belgique? Comme je vous ai dit, un Roba. Alors là, comme je vous ai dit, la note 8 sur 10. Le synopsis. La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible, au point que le père de Boule, dessinateur reconnu, en vient à perdre l'aspiration. Son éditrice remet alors en cause ce nouveau bonheur qui semble le couper de toute créativité. Il ne reste donc qu'une solution: enchaîner les bêtises au risque de faire exploser l'harmonie familiale. Eh ben nous, on va s'en taper une de bêtises. Salut les copains, c'est moi Bill l'éclair. Je suis de retour avec mon meilleur ami Boule. Vous vous rappelez la famille que j'avais adoptée? Quelle est belle la babalo bibi. J'ai réussi à en faire une famille exemplaire. Il va croquer avec ses dents, le sucre. Je suis un chien, je parle mieux que lui. Et depuis pas longtemps, Pouf et moi, on trouve que Boule a changé. Salut les garçons. Vous allez voir que dans 2 secondes, Boule va la regarder avec une tête d'idiot et la bouche grande ouverte. Qu'est-ce que je vous avais dit? Mais c'est bizarre parce que Charlotte, j'arrive jamais à lui parler. Et il paraît que l'amour ça rend aveugle. Ouais, ben là ça me rend plutôt mieux. Hein. Ben c'est pareil, mais ça aveugle de la bouche. Comme si ça suffisait pas, il y a un nouveau à l'école. Wow. Boule, c'est nul comme prénom, non? En plus, t'es roux. Double nullité. Le papa de Boule, il a une nouvelle patronne, j'ai l'impression qu'elle est pas très gentille. Vous avez donc 2 mois pour me pondre de la bonne bande dessinée bien triste. Si jamais j'y arrivais pas. Vous serez viré.
J'y arriverai. Depuis, il est complètement parti en cacahuète. Allez, viens, Bill. Fais des bêtises. Qu'est-ce qui lui prend? Il devient fou. Vous êtes en train d'uriner sur mes chaussures? Je l'avais pas vu. Je suis un artiste maudit. Et même sa maman s'est mise à faire n'importe quoi. Chérie, tu vas bien? J'ai plus qu'à refaire toute leur éducation. La honte. Tu les connais, ces deux rigolos? Non. Jamais vu. Alors, voilà. Vous avez vu, il est beaucoup, beaucoup plus réussi. On rigole beaucoup plus, nous, en tant qu'adultes aussi. C'est moins gnangnan. Voilà, moi, ce que j'ai pu chroniquer, hein, revoilà les aventures de nos chers compagnons. C'est un vrai plaisir et on a passé un vrai, vrai moment. C'est léger, frais, simple, amusant et un petit régal. La réalisation, d'abord, c'est... Pardon, l'audio-description, c'est français. L'audio-description, c'est du français. L'audio français Dolby Digital 2. Et du 5.1. Et les sous-titres en français. Alors, la réalisation est de Pascal Bourdieu. L'histoire originale, bien entendu, toujours de Roba. Scénario de Benjamin Goudji. Production, Cyril Colbeau-Justin et Jean-Baptiste Dupont. Avec Charlie Legendry, Franck Dubosc, Mathilde Seigné, que je trouve super dans le rôle de Madame Roba, Jean-François Quévrier, Nora Anwaziaï, Isabelle Candelier, la voix off, Manu Payet, toujours, et bien entendu, Giraudeau pour Caroline, parce qu'on la voit très peu. C'est un peu dommage parce qu'elle est fort présente dans les BD de Boule et Bide. Musique est de Mathieu Lebollet. Photographie de Stéphane Leparc. Montage Audrey Simeneau. Décor Mahemar Ekchiek. Costume Laurence Chalou. Pardon. Durée 1h25. Là, j'ai vraiment pas vu passer. L'autre, 1h22, il était temps que ça se termine. Par contre, là, je ne les ai vraiment pas vu passer. Éditeur Pathé, donc c'est distribué par Pathé, celui-là, chez Fox Pathé, Europa fatalement. C'est sorti en vidéo le 30 août. Encore une fois, c'était dans le fameux colis qui s'est égaré, qu'on a reçu plus tard. Et sorti en salle le 19 avril 2017. Il y a un bêtisier. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je les ai testés en live avec les enfants et j'ai vu que même les enfants... Le premier, il décrochait plus. J'en avais marre. Tandis que le 2, je les ai entendus rire plus. Et ils n'ont pas décroché. Ils en avaient vraiment pas marre. Il y en a même qui m'ont dit « Oh, c'est déjà fini. Attends. Il va y avoir quelque chose après. » Et non, malheureusement non. Donc voici le fameux coffret Boule et Bill 1 et 2. Et je me permets d'ouvrir donc avec l'arrière du coffret. Le Boule et Bill 1, dont voici la jaquette, avec bien entendu l'arrière, et le Boule et Bill 2, que voici, et qui est là. Voilà. Je vous rappelle aussi que d'ici peu, il y aura un concours pour remporter le Boule et Bill 2, pour vous faire gagner ce petit coffret. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle de Ciné Passion Blu-ray DVD. Et à bientôt. Ciao.